Eh bien bonjour à toi Tripilus et monsieur. Alors, encore une vidéo à RBR, pour découvrir un petit peu les spéciales et les bagnoles. On se retrouve à Peclo 2, et avec la R5 à Gilou, là. J'ai voulu faire plaisir à Gilou, il faisait comme demander, allez, quand c'est qu'on y va. Je lui ai dit, allez, Gilou, allez. Va te foutre un Slibar en ego. Je lui ai dit comme ça, et ni une ni deux, qu'est-ce qu'il a fait, tac au tac. Et il a foutu son Slibar en ego. Du coup, on se retrouve dans cette petite R5, à Peclo. Peclo, hein, très, très bien connu. Et dans cette vidéo, il n'y aura ni crash ni mishtek. Je te le dis, on va découvrir la spéciale tranquillou. Alors, pas de conneries, tu as vu Gilou dès qu'il panique. Coupe! Je suis perdu dans les notes, coupe Francky! Coupe, je suis perdu! On verra bien. Et quand ce Gilou? Toujours là, toujours prêt pour la déconne. C'est toujours le premier Gilou. Attention, gauche très dure, c'est 4 mètres. Gauche très dure. Alors, dans cette voiture, tu sens de suite qu'elle s'ouvre quand elle accélère. Mais j'aurais voulu. Enfin, j'aurais voulu, c'est pas moi qui décide, mais. J'aurais préféré un petit peu plus, tu vois. Quand le turbo s'enclenche, tu sens vraiment le coup de volant. Après, attention, hein, c'est la voiture à jaloux. Hein. C'est pas une voiture d'origine, hein. Ça tient le pavé le truc. Hein. Ça tient le pavé le bousin. Hein. C'est pas petite R5 de pépère là. Ah, attends, c'est une usine entière qui s'est démenée corps et âme pour donner à Jeannot ce qu'il voulait, quoi. C'est pas. Allez, c'est parti. Là, je sens bien qu'on va pas sortir ce coup-ci. Une droite bon, 80 mètres. Gauche à fond. Sur droite moyen, ferme dur. Bah, pas dire pas dire de conneries. Bouille, attention. Oh, bouille, attention, il a dit. Bouille. C'est quoi la boue? Oh, Gilou, tu commences à inventer des mots, maintenant on se sort plus. Hein. Déjà, tu dis n'importe quoi dans les notes, mais en plus, si tu commences à inventer les mots. Bouille. Gauche bon, 4e, c'est 4 mètres. Une droite bon et 100 mètres. Sur gauche moyenne, ferme dur. Et droite bon. Et droite bon, 100 mètres. Sur droite à fond, 100 mètres. Attention, gauche très dur, ferme dur. Droite très dur, ferme. Ah, la physique, elle est bien encore une fois de la voiture, hein. Franchement. Si tu accélères pas trop, mais tiens le pavé, hein, si tu mets pas plein gaz, comme en vrai, je tire sur les 5 jets turbo, hein. Tu vois, si tu. Dure, et après, quand tu remets le pied là, elle a une patate! Gauche dure, ferme dure. Droite bord, 4e. Attention, gauche très dure, coupe 80 mètres. Droite très dure. Ah non, en fait, elle est bien la physique, hein. Tu s'en ressens bien. Non, j'ai des conneries au début, elle est vraiment pas mal. Ah, il faut l'appréhender. La coupe. Et droite très bon. Coupe encore une fois. Ah, tu la sens bien en freinage partir du cul des fois. Elle est sympa, hein, vraiment. Droite très dur et 100 mètres. Droite bord, 4e. Et gauche bord, 100 mètres. Droite bord, 4e. La spéciale, elle est vraiment top, encore une fois. Petit sous-bois, là. Ferme dur. Tiens, celui-là, il doit être vraiment dur. Parce que pour que Gilou dise ça... Ben non. Attention, gauche très dur. Et droite très bon. Sans filage. Tu la sens bien délester des fois de partir de l'arrière. C'est sympa, hein. Et droite très bon. Et gauche moyen. Coupe. Et pédale droite. Ferme dur. 100 mètres. Ouah. Et droite bon. Sur gauche bon. 100 mètres. Et droite très bon. Mien gilet jaune. C'est 4 mètres. C'est fini mec. T'as la bourre. Il dit j'en ai rien à foutre moi. J'en ai rien à foutre. Merde, que j'ai fait. C'est la meilleure époque de ma vie là. Gilet jaune, on squatte les ronds-points, tire la rigole là. On se régalait entre potes. Je m'y accrocherai coûte que coûte. J'assure un peu dans les épingles parce que j'ai tendance à être nul et je voudrais pas tout gâcher. J'avais dit que j'allais pas sortir. Eh ben je vais pas sortir. Je vais faire cette vidéo clean. Sur gauche moyen, coûte, c'est 4 mètres. Et droite bord, c'est 4 mètres.
Rapprochement quatrième, 50 mètres. Parce que là, ça a l'air piégeux quand même. Hein. Rapprochement quatrième. Droite dure. Rapprochement quatrième. Et droite bord, 30 mètres. Épingle gauche, ferme dure, 50 mètres. J'ai peur qu'il foute un tronc. Eh, désolé, il manque un bout de main, elle. Attention, elle est bizarre, ça va vite. Fuyez! T'es avec une bande de potes un petit peu bizarre aussi. Droite bord, quatrième, 100 mètres. Et gauche moyenne, épingle droite, ferme dure, 50 mètres. Droite très dure, 50 mètres. J'ai mis un coup d'embrayage, je sais pas pourquoi, comme si paniqué. Droite bon quatrième, ferme, droite bon quatrième. Sur droite moyenne, ferme dur. Ouh ouh ouh, un souvir. Ferme dur, 50 mètres. Non, pas le tête à queue. Oh joli. Mais non, c'est sur cette spéciale, il doit avoir des traces de boue, je pense. Des fois, elle part du cul, tu sais pas trop pourquoi. Alors, je sais pas si c'est passé humide, boueux, piégeux. En tout cas, elle est super cette spéciale. Super! Coupe encore une fois! Coupe! Tu veux que je coupe, Gilou? Il y a des arbres. Mais on s'en fout, coupe! Est-ce que j'ai pas fini cette spéciale? Magnifiquement bien. Allez, alors un petit mot de la fin en replay. Alors au début je pensais que qu'elle s'ouvrirait pas assez quand tu mettais le pied et que le turbo s'enclenchait. Mais en fait plus tu la prends en main et plus tu te rends compte qu'elle est vraiment très sympathique cette voiture. Oh le son est pas beau là. Le son du replay il est pas beau. Hein. Et elle est très très sympathique cette voiture. Très très sympa cette auto. Et très très sympa cette auto. C'est comme si je parlais de... Très très sympa cette auto. Comme si je l'ai déjà essayé. Et non honnêtement c'est encore une fois. Encore un régal honnêtement. Je lance les spéciales et je joue comme si j'étais... Comme si j'étais seul. Je fais des vidéos comme ça. Comme si... Quand je joue seul je joue comme ça. Je lance une spéciale et je dis n'importe quoi même seul. Et en tout cas c'est un régal. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Encore une spéciale magnifique. Honnêtement, moi, tu me fous des spéciales asphalte comme ça, avec des vieilles voitures, et je pourrais rouler toute la journée, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, n'hésite pas dans l'espace commentaire à me dire ce que tu en as pensé. Tu peux me dire si je te fais chier à mes vidéos RBR, n'hésite pas, hein, parce que... Mais en tout cas, moi, ça m'amuse, donc voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, les gars, je vous laisse, et vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.